Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle édition d'Info People. Aujourd'hui, je vous reviens avec une information qui tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis ce matin. C'est la séparation de Patrick Sébastien et de sa femme Nathalie Boudot. Patrick Sébastien, ben, tout le monde le connaît, c'est l'ancien roi du programme Les plus grands cabarets du monde, qui était diffusé sur France 2. Patrick Sébastien est marié avec Nathalie Boudot depuis 30 ans. Ils se sont dit oui sur un stade de rugby en 1998. Ils se sont connus, lui et Nathalie, à un mariage. Ce mariage se faisait dans un petit restaurant. Nathalie était la patronne du restaurant. Au début, comme il dira, ça n'a pas vraiment collé. Ils ont fait un petit peu connaissance. Ils ont appris à se connaître. C'est après, comme il dit, que ça s'est embrasé, que les étincelles ont pris feu. Patrick Sébastien, c'est aussi le mari infidèle, le mari grande gueule infidèle. Il est très connu pour ses infidélités. Il a, au début de leur couple, de leur mariage avec Nathalie, on ne va pas dire imposé, mais ils ont fait ménage à trois. Ça a duré un an. Jusqu'au moment où Nathalie, n'en pouvant plus, a demandé à Patrick de se séparer de cette deuxième femme qui prenait une place importante dans son couple. Elle a demandé à Patrick de s'en séparer, autrement elle le quittait. Patrick a choisi et resté avec Nathalie encore pendant 29 autres années. Seulement Patrick ne s'est pas calmé. Patrick est resté toujours un grand, grand, grand mari infidèle. Est-ce que c'est pour ça que Nathalie est partie? On ne sait pas. Personne ne parle. Tout ce qu'on sait, c'est que Nathalie l'a quittée au mois de janvier. Elle a pris ses affaires et Patrick n'était pas là. Il était parti sur un tournage. Elle a pris ses affaires, elle a déménagé dans un petit appartement du sud, de l'ouest, pardon, parisien. Quand Patrick est revenu, l'appartement était vide. Ils ne veulent pas divorcer, ni l'un ni l'autre. Ils veulent simplement se séparer. Ils veulent, aussi bien l'un que l'autre, rester mariés. C'est un petit peu étrange. Peut-être qu'ils vont, un jour peut-être, se remettre à nouveau ensemble. Peut-être qu'il va falloir que la crise passe, qu'ils s'arrangent, qu'ils discutent. On peut se dire que peut-être un jour ils se remettront, ils revivront ensemble. En attendant, pour l'instant, Nathalie est formelle. Et Patrick aussi. Patrick vit tout seul et Nathalie aussi, de son côté. Chacun chez soi. C'était l'Info People de la journée. Et puis, je vous reviens très bientôt avec une nouvelle Info People. Bisous à tous.